insérer des lignes et des colonnes. Il peut être nécessaire des fois d'ajouter des lignes ou des colonnes entre deux lignes ou entre deux colonnes. De cette façon, on va éviter de devoir déplacer toutes les données d'une colonne à une autre ou d'une ligne à une autre. Quand on insère une colonne, Excel l'insère toujours à gauche de la colonne qu'on a sélectionnée et quand on insère une ligne, Excel l'insère toujours au-dessus de la ligne qu'on a sélectionnée. C'est possible qu'après avoir fait une insertion, on ait un bouton « Option d'insertion » qui apparaît. Vous allez voir dans une prochaine capsule comment se servir du bouton « Option d'impression ». Dans cette capsule-ci, je vais simplement vous montrer comment insérer des lignes et des colonnes. Donc, je pourrais vouloir insérer une ligne, par exemple, une ligne entre la ligne 5 et la ligne 6. Alors, ce que je dois faire, c'est que je vais sélectionner la ligne 6, tout simplement en cliquant dessus. Et une fois que je vais avoir cliqué dessus, ce que je peux faire, c'est avec le bouton droit de la souris, je vais cliquer et je vais aller sélectionner « Insérer ». Et donc, j'ai une ligne qui va s'insérer au-dessus de la ligne que j'ai sélectionnée. Pour ce qui est d'insérer une colonne, donc je vais me positionner, par exemple, si je voudrais insérer une colonne entre ma colonne D et ma colonne E, on sait que je vais avoir une insertion de colonne qui va être à gauche. Donc, je vais me positionner sur la colonne E, je vais faire un clic sur le bouton droit de la souris et je vais cliquer sur « Insérer » tout simplement dans le menu contextuel et ma colonne va s'afficher. Ce qui est possible de faire aussi. On a d'autres options. Alors, je vais sélectionner ma colonne. Dans l'onglet « Accueil », je vais aller appuyer tout simplement dans le groupe « Cellules » sur le bouton « Insérer » et ma colonne va s'insérer tout simplement. Alors, c'est une des deux méthodes qui est possible donc pour faire l'insertion de colonnes. Donc, voilà, c'est comme ça tout simplement qu'on insère des lignes ou des colonnes avec Excel.